Hey, yep, tout le monde, et bienvenue pour du LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve sur le LP. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai voulu mettre Greg Tech sur le pack, donc j'avais retiré Tech Reborn, etc. Et en fait, il s'avère que Greg Tech là, je le déteste par-dessus tout. Parce qu'il y a énormément de minerais, énormément de machines. Enfin, c'est un gros bordel ce Greg Tech. J'aimais bien le Greg Tech, le vrai Greg Tech, qui était le GT3, je crois. Le Greg Tech très sympa, qu'on avait sur FTP3 à l'époque. Donc, du coup, celui-là, je l'adorais. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu le mode Tech Reborn. Tech Reborn, ça reprend en fait du Greg Tech plus sympa, du GT3, du coup, et qu'ils le mettent à jour. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai reviré Greg Tech. Donc ça, je l'ai complètement viré parce que c'est de la merde. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis à jour Tech Reborn, etc. Au niveau des modes, j'ai trouvé le mode qui faisait chier la cobble quand elle tombait. Alors, elle faisait ça sur le gravier, la dirt, le sable, la cobble, pas les netherrack, elle le faisait pas. D'autres. Et c'était un mode que j'avais mis, je pensais que c'était un truc sympa, mais en fait il est plus casse-couille qu'autre chose. Donc du coup, ah bah je l'ai enlevé. Et du coup la cobble maintenant, cobble et la terre, on peut voir que voilà, elle reste quand même à 3, qu'avant à 2, elle commençait à se casser la gueule. Continuons. Maintenant ce que j'ai fait en off, comme je vous l'avais dit, je l'ai passé au tier 2 celui-ci. Donc ça m'a coûté un peu plus qu'un bras, parce que en fait il y a les basal machines que j'oubliais à chaque fois de mettre en place. À chaque fois que vous faites une upgrade, il y a les modifier core, mais surtout il y a les basal machines qu'il faut mettre obligatoirement tout autour afin qu'ils puissent fonctionner. Donc du coup la tier 2 je l'ai faite et elle fonctionne actuellement depuis hier, et du coup ça a généré tout ça en minerai, donc ce qui est assez énorme, il faut dire ce qui est. Mais j'espère qu'un jour je vais pouvoir le passer en tier 3. Tier 3, voilà, il va me falloir quand même beaucoup de choses. Machine base, il m'en faut 52, lui il m'en faut 16. Et je les ai pas forcément. Donc, voilà. Bon, niveau des modifier core, il en faut. Putain, tu passes de 11 à 6. De 7 à 11 plutôt. En XXZ. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre, un au milieu. Et puis tu augmentes d'un seul en hauteur. Te vaut un laser core en plus. Il te faut 4 modifier core. Il te faut une blinde de machine base. Et il te faut des structures tier bloc 3. Alors, je crois que le tier bloc 3. Tier bloc 3. Ah bah, c'est pas plus cher que ça. Ah non, c'est le 4 qui coûte un bras. Ah ouais. Mais je vais voir un truc parce que je pense que Abyssal. Merde. Comment ça s'écrit Abyssal? Ah, c'est pas Abyssal, c'est environnement. Environnemental Tech, voilà. Le Void 3 Air Miner. C'est un 2, c'est un 2, c'est des stabilisés. En fait, c'est pas si. Ah, c'est ça qui coûte cher. Le Mika. Mika, tendrement au chocolat. Non, je plaisante. Mika. J'ai pas encore du Mika. Ah. Donc ça veut dire que je peux pas le faire pour l'instant. Parce qu'il va me falloir ce qu'il faut. J'aime bien la fire. Parce que ça brûle tout ce qu'il y a autour. Moi, c'est pratique si vous voulez enlever de la neige. Hop. C'est bien pratique. Ah, ça brûle même en dessous, je pense. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est plutôt cool. Le Void Miner, c'est super cool. Cependant, j'irai le déplacer, hein, parce que ici, bah, il bouffe un petit peu la place. Donc, ce que j'irai faire, c'est surtout construire une maison. Je vais la construire en off, la maison, parce que ça va prendre du temps à faire tout ça. J'ai retiré aussi Better Foliage, parce qu'il crée pas mal de merde depuis la dernière version. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Et puis voilà. Et ouais, et puis voilà. Donc c'est déjà pas mal au niveau de tout ça. Ouais, c'est déjà un très bon point.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre également? Ouais, on fera un petit système auto pour ça. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'en rappelle plus en fait. Il y a tellement de choses que je voudrais vous le dire, mais bon, ça va niveau diamant, redstone, coal, on va être tranquille. Diélorite, ça peut être pas mal pour avoir un peu de source d'énergie derrière, donc ça peut être cool. Ça peut être sympa. La base, on pourrait la faire en mode souterrain, entre parenthèses, et obtenir tout ce qu'il faut dessus, en fait. Ouais, ça va, niveau diamant, émeraude, gold, quartz. C'est sympatoche. C'est sympatoche. Salpeur. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est le truc Weatherproof. Ok. Tu l'obtiens à 1,2%. Par contre, le mica, je l'ai pas eu, hein. Le mica, je l'ai. En fait, je le trouve où le mica? Basic Chunk Loader, ok. Mica, mica, mica. De toute façon, il faudrait un Solar Tier 3. Bon, ça va, c'est pas très coûteux en fait le Solar Tier 3. C'est le fameux mica en fait. Clear Lens, préfère. Ah oui, d'accord, il faut le mettre en white. En white, en fait, vous permet tout simplement d'obtenir de plus facilement des belles choses. En white, vous avez plus de pourcentage d'obtenir du fer, des dimensional shards de RF Tools, du quartz, de la bauxite, ok. Du nether, du sandpaper, de l'iridium. Oh, l'iridium, c'est cool. Et puis, bah, du coup, ce qu'il a dit, le lens permet de faire du mica aussi. Donc, du coup, en fait, là, c'est du clear. Et si vous voulez le mettre en. Comment? En truc. Déjà, on va couper. Voilà. On va couper ça. Il faut le passer en mode. Hop. Faut le passer en mode bone meal, donc blanc. Bonne. Merde, j'ai pas de bonne mille. What? Ah oui. Je vais me dire, j'ai une partie du stuff qui a disparu, mais non. Hop, il faut que je le passe en blanc obligatoire. Voilà, white. Oh. Focus as fat laser. Ok. Et ben, on va le reposer. Pouf. Blanc. Et on repose. Et lui, du coup. Voilà. Il mine du coup du blanc, donc du coup normalement, en plus c'est bien, on a des dimensional shards ici. Ça c'est un très bon point. Faudrait qu'on les mine les dimensionnels. On a de l'ardite, on a du cobalt, donc ça c'est déjà un très bon point. Ça va nous permettre en fait tout simplement de, avec un four thinker, de pouvoir obtenir directement les derniers minerais. Donc le, comment ça s'appelle? L'adamantium? Non, pas l'adamantium. Le magnésium, voilà, ça va nous permettre de faire du magnésium. Donc pour l'instant, bah lui génère, il bouffe 200 RF environ par tick, le coco, mais par tour, ça bouffe plus d'un million. Donc c'est bien ce qu'ils avaient dit sur le livre. Donc. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Ah bah c'est tout. On va pouvoir un petit peu déplacer le tout. Je vais. Comment? Je vais faire une petite ellipse, les gens. Je vais aller modifier ça. Ça, je vais le déplacer un petit peu là-bas. Je vais commencer à construire un petit peu la maison. Putain, il y en a tout le monde qui est 10 ans. Il neige, il neige, il neige. Ouais, bah ouais, il neige, mais. Perso, moi, il neige pas. En même temps, tant mieux qu'il neige pas parce que comme je pars 5 jours pour moi. Et vu que je suis en béquille, j'ai pas envie de me casser la gueule à Paris. Encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce qu'il faut. Oh. Nano beacon. Je sais pas à quoi ça sert. Ça doit pour faire des beacons XXL, je pense. Nanobot. Putain, ça coûte un bras. Attends, tu vas voir ce que c'est. Nano beacon. The nanobot beacon multi-block machine provider the player et vite effect. Less, un nanobot technologie. Les effets sont seulement appliqués si le player place lui-même le nanobot. Ok. Multibloc.
Ok, contrôleur, chunk loading, il s'est fake. Ok. Ah, énergie buff. Ah, t'as besoin même de l'énergie pour lui? Oh. Structure bloc tier 1, machine base, et ça. Bon, on va tester, tiens. Avant de faire une petite ellipse, on va faire ça. Bonjour le petit screen qui va bien. Donc, ouais, après il coûte tellement un bras le machin. Il faut 100 000 RF pour le truc. J'irai voir ce que ça donne. Beacon. Ah ouais, non, mais en fait, je peux pas. Non, je peux pas. me faut du Dragon Bref. Bref. Bon, bref. va falloir que je bute le dragon sinon. Donc, du coup, bah, c'est pas pour maintenant. J'ai pas trouvé de l'End encore. Donc, au pire, l'End il se trouvera dans notre région. C'est pas trop un problème. Bon, du coup, je vais faire la petite ellipse et je vais voir pour commencer un petit peu la petite maison. Il n'y a pas de timelapse parce que j'ai plus de PC portable. Donc, du coup, je peux plus vous faire de record en timelapse. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage. Donc pour ceux qui veulent, hein, type C, YOLO. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Du coup, à tout de suite. Religion, re. Du coup, je me suis mis en créa pour vous montrer un petit peu la baraque. Donc, bon, c'est une baraque comme une autre. Hein, je trouve le style plutôt sympa. Mais après, bon, je suis pas non plus ultra puissant en déco, construction de baraque. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors, j'ai fait en semi-lévitation. Puisque à l'intérieur, en fait, vous voyez, il y a ça. Je trouve. J'ai mis les couleurs un petit peu. Comment? L'acacia, le bruce, le oak, ça se marine bien, plutôt pas mal. J'ai encore pas mal de choses à faire au niveau des vitres, puisque j'ai fait des vitres un petit peu en mode YOLO. Ça donne un petit style plutôt sympatoche. Je vais faire aussi des piliers qui s'enfoncent dans le sol, comme quoi la maison est en lévitation, avec des escaliers sur les côtés pour rendre ça un petit peu mieux. Et j'ai mis un sol en verre qu'on puisse voir. Directement en fait depuis ici un accès un petit peu vers le bas. Bien sûr j'ai torché hein, sinon ça allait popper. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que ceci va vous plaire hein, tranquillement. Du coup moi je retourne ici, je m'enlève du GM parce que YOLO hein, voilà. Donc j'ai tout fait correctement. J'ai encore des spruces tiens, c'est cool ça. Pouf, on va pouvoir tout déplacer du coup, ça va être un très bon point. Je vais pouvoir mettre les machines dans la baraque, faire un accès en dessous qui peut être pas mal. Pourquoi pas une ferme à bois au-dessus de la maison, là où qu'on était en fait ici. Faire une ferme à bois, ça peut être sympa. Ça, je vais devoir le déplacer. Je sais pas si j'arriverai à mettre le panneau solaire sur le toit. Ça pourrait être sympa de le foutre sur le toit quand même. Par ici. 3, 3, 5. Oh, ça pourrait bien le mettre ici. Éventuellement. Ouais, dommage qu'il y a ça. Parce que je l'aurais enlevé et j'aurais mis le solar vraiment dessus. Ouais, ça pourrait le faire, comme ça pourrait pas le faire, sachant qu'en dessous il faudrait une terminaison de toute façon il manque un étage, hein, donc un accès à la capacitor pour faire de l'énergie, ça peut être pas mal. Mettre à l'étage au-dessus l'applied, pourquoi pas. Le mettre à l'applied au-dessus, ça pourrait être sympa. Et comme ça la source d'énergie, il y a tout. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça, tiens, du coup. On va tester ça ensemble tranquillement. Donc le réseau, bah, il va se couper de toute façon. Normalement, j'ai pas besoin de plus. Je vais juste prendre des câbles éventuellement. Câble là. Voilà. Après, j'ai pas non plus énormément besoin. Générateur câble, je le changerai. Je mettrai un genre de jabba. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Du coup, pouf, 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 pouf.
Voilà. Donc du coup, bah lui en fait, il va s'arrêter. Même l'arrêter de force. Parce que sinon, il va me bouffer l'énergie sel juste en dessous. Donc on a ça, on a ça, on a ça. Je vais pouvoir tout enlever en fait quasiment. L'énergie sel, ceci. Hop, les patterns et les disquettes. Bon, l'avantage c'est qu'il redonne les disquettes, sinon j'aurais été comme un con. Ça. Voilà, je le mets en none. Voilà. Allez, donne-moi ça. L'avantage avec ça, c'est qu'en fait, en shift-click, on détruit les blocs qui le touchent. Donc ça, c'est un bon point. Voilà. Et comme ça, en fait, on peut tout récupérer tranquillement. Hop là. J'ai les 15, normalement, il en faut 16, voilà. J'ai les 16. Bon, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Hop, je vais pouvoir le mettre ici. Alors, le solaire, il faudrait que je le mette dans le sol. Donc, ça voudrait dire... faudrait dire faire un trou d'ici. Voilà, mettre le solar dessus. Ah. Ah oui, mais comment je refais pour en monter, moi? Ouais, et en plus j'ai pas de... J'ai pas tout ce qu'il faut, moi. Ouais, de toute façon, il va me falloir un modifier corps. Donc du coup, ça ne servira à rien. Les modifier corps, je me rappelle plus où est-ce qu'ils les mettent. Hop, petite bûche. Voilà. Normalement, c'est sur les côtés. Voilà, c'est ici. Parfait. Du coup, bah ça c'est bon, c'est complet. Je vais mettre le bois tout autour. Forcément, il y a du bois qui est tombé. Spruce, j'aurais bien voulu un peu plus de spruce. Voilà. Et puis ici, bah pour l'instant rien du tout. Le sol, on va le foutre à cette hauteur-là. Donc ça voudrait dire que à partir de ça, bah ça a un accès à l'étage. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Ça, c'est un bel accès à l'étage. On va se foutre temporairement un accès. Voilà. Et du coup, table de craft que je fous là. Ah, j'en ai que 4, il m'en faudrait 5. Donc la table juste au-dessus. Pouf. Voilà. Bon, j'ai pas énormément en plus, j'ai même pas, j'ai plus de bois, j'ai plus rien. Hop. Voilà. Donc, du coup, la capacitor va faire que si, je peux pas avoir du bois parce que j'ai tout mis dans le réseau, mais au pire, le réseau, je peux l'avoir facilement. Hein. Le réseau, j'ai juste à mettre ça, à mettre un drive, les petites disquettes, un petit truc. Il y a un petit crafting et puis c'est bon. Ah, il me faut peut-être l'énergie acceptor d'ailleurs. Ah putain, ça perd l'énergie quand on le fait comme ça. Fuck. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Bah l'énergie. Hein, puis... Voilà. Ok. Spruce. Merde, j'ai plus de spruce. De toute façon, je m'en fous, c'est juste pour monter après. Donc, ah, j'ai plus de. Non, sérieusement, j'ai plus de bois. En fait, c'est juste pour me faire des échelles, quoi. C'est rien de très sorcier, hein. Hop, je vais foutre de l'andésite en mode YOLO. Pouf. Qu'est-ce que j'ai besoin après? Bah, tout ce qu'il faut faire pour
un sol. Je vais le faire en oak, éventuellement. Alors je fais des dalles. Pourquoi les dalles? Parce que c'est très pratique. Merde. Parce que déjà on peut faire des petits sols comme ça. Et en plus les meubles peuvent pas popper dessus. Parce que c'est des dalles. Voilà. Voilà, et lui je le laisse en mode YOLO. Donc du coup, ça c'est bon, on va avoir notre réseau pile poil dessus qui va arriver là. Il aurait fallu une autre... Ouais, je savais bien que j'en avais encore une. Voilà. Ça me permettra de monter tranquillement. Façon l'échelle, on va la bouger, hein. C'est temporaire ici. C'est juste pour... remettre en fait les capacitors, pouf, voilà, et puis du coup on va foutre ça là, l'énergie, waouh, ça a tout pompé, bah oui ça a tout pompé, voilà, alors du coup on va remettre l'énergie acceptor, l'énergie celle derrière. On va mettre le petit drive d'un côté, les disquettes dedans. Hop. On va se foutre ça, foutre ça. Forcément, tac tac. Voilà. Le ME contrôleur, je vais plutôt le foutre comme ça. En fait, l'avantage de le ME contrôleur, c'est que vous n'avez pas besoin de l'énergie acceptor pour qu'il fonctionne. Il accepte directement des RF. Ou pas. Ouais, ou pas. Voilà. Ouais, comme ça, l'énergie est tout le temps full. Donc ça, c'est pratique. Ça recharge ça en mode YOLO. Bah, j'ai d'autres capacitors banques, hein, je pourrais les vider. Voilà. On vide l'énergie à fond. Pour que ça puisse se remplir. Il y a 2 millions de RF. Oh, ça va, c'est easy en fait. Hein. Il y a 1 million 2. Tiens, toi, je te bloque. Ah, comme ça, lui, en fait, il descend. Il descend rapidement. 1000 RF par tick. Ça va remplir ça tranquillement, comme ça sera vide. Lui, bah, il en a 0. Me faut le pattern, le crafting, le crafting, le pattern. Tac. Ça, je fous ça là-dedans. Ça, éventuellement, je verrai ça plus tard. Le 1K également. Pouf. Et le chargeur. Je le mets pour l'instant là. Lui, bah, du coup, il se décharge. Lui, il est toujours chargé. Il y a le solar au-dessus. C'est magnifique. Donc, on va pouvoir se faire un beau petit truc sympatoche dans la maison. Hormis ça, tu vois, ça, je vais les déplacer. Je vais les mettre à l'envers. Ça pourrait rendre beaucoup mieux. Et puis également au niveau de ça, voilà, le rendre comme ça peut être sympa. Ouais, c'est magnifique. Hop, mettre une autre torche éventuellement derrière. Ah, tiens, hop. En fait, j'avais du bois dans le truc, mais je m'en rappelle jamais. Donc ça va, ça se vide plutôt bien. Il va arriver à zéro le pépère. Ça va être cool. Hop. Voilà, zéro, magnifique. Et lui, du coup, pouf pouf. Voilà. Lui se remplit en énergie, on est plutôt tranquille. Donc au niveau du... Bah du coup, du... Comment? Du... Pourquoi ça me fait ça? Je sais pas. Au niveau du comment de, bah, de l'énergie, on va être tranquille. Ça, je vais pouvoir le faire ça. J'espère que vous entendez pas trop le sèche-linge. J'ai oublié de fermer la porte. Enfin, un record, c'est un peu con, quoi. C'est quoi, c'est un escalier, ça? Ouais. Va foutre ça comme ça. Je vous fais des épisodes vraiment à l'avance et des longs épisodes comme je ne serai pas là.
Voilà. Bon, bah c'est cool, c'est plutôt cool. Ça, je vais le retourner du coup. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Et du coup, bah je vous donne rendez-vous à la prochaine, hein. Portez-vous bien les gens. Et puis amusez-vous, likez si ça vous a plu. Voilà. En plus, on a un beau petit étage et on va faire des belles petites choses avec Applied. Voilà, sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao! Oh yeah! Que c'est beau!